Bienvenue, chers téléspectateurs, dans notre émission La symétrie est plus qu'une notion de mathématiques, c'est une notion d'art. Aujourd'hui est le début de la semaine des mathématiques. Alors, nous avons demandé sur l'Instagram de nous envoyer des vidéos sur la symétrie qui est un art. Entre-temps, nous allons parler au journaliste Joey qui nous montrera en direct un musicien en herbe inspiré des mathématiques pour inventer. Bonjour Joey, racontez-nous l'actualité. Bonjour, merci. On se retrouve avec Joey, le musicien, qui va nous interpréter une mélodie qu'il a inventée sur la gamme symétrique de Do majeur. Il va nous expliquer plus en détail. Et aujourd'hui, vous allez apprendre la gamme symétrique. La gamme symétrique, c'est une gamme qui se caractérise par un seul ton entre chaque note. Cette gamme est utilisée dans les musiques modernes et contemporaines. Je vais vous montrer. Par exemple, on commence par le Do central. On continue par le Ré, le Mi. Mais entre Mi, Fa, il y a demi-ton. Donc Mi, Fa dièse, Fa dièse, Sol, demi. Donc Fa dièse, Sol dièse, 1. Sol dièse, La dièse, 1. Si dièse, un Do. Maintenant, je vais vous jouer ma partition que j'ai intitulée L'usine de chewing-gum. Elle me rappelle la musique de la scène mythique dans le film Rabbi Jacob de Louis de Funès. Sachant que ce film est d'une époque moderne. Bien sûr.